Yinga, bonjour. Sandrine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation en même temps. Alors, nous sommes en direct sur Econuma Live. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter succinctement à nos téléspectateurs? Ah, d'accord. Je suis Simplice Wolfgang et Yinga, c'est mon nom. Originaire de la région du Sud et plus précisément à San Melima, village dit Meyomadiom. Donc, en langue vénézuélienne, un monnaie yemvan, ça c'est un boulot. Et donc, les études primaires, je les fais à Djoum, secondaire à Zuetélé, où j'ai mon baccalauréat, et puis finalement, je finis à l'université de Yaoundé, où j'obtiens un master en gestion. Donc, et après le master en gestion, c'est ainsi que je me lance dans l'entrepreneuriat. D'abord sous la casquette de secrétaire exécutif Association des entrepreneurs du Cameroun, pour que finalement, lorsque l'entrepreneuriat est entré dans la peau, que je pense donc, nous pensons à ouvrir une structure, Network Business Center, dont je suis gérant statutaire. Et donc, l'activité principale ici est un coworking. Donc, la mise à disposition des espaces de travail professionnels qui est situé à Bastos. Donc, voilà, derrière l'usine. Alors, justement, nous vous recevons aujourd'hui en tant que gérant de Network Business Center, qui est un espace de coworking. Est-ce que vous pouvez faire une brève présentation des activités de votre entreprise? Alors, comme je le disais déjà, Network Business Center, comme le dit son nom, c'est un lieu de business. Mais là, nous commençons avec cette activité qui n'est pas encore assez connue, qui est le coworking, la mise à disposition des espaces de travail, des espaces de travail professionnels. C'est un projet qui vient satisfaire un besoin, le besoin de la mise à disposition rapide des espaces de travail pour les professionnels, par exemple, qui sont de passage, pour les PME, les start-upers qui n'ont pas de moyens pour prendre un local, l'équiper. Lorsque nous connaissons le coût de location et de logistique, lorsqu'on veut commencer, c'est vraiment des espaces de travail munis d'ordinateurs, internet, bureaux, fauteuils et tout ce qui va, un secrétariat disponible, un parking disponible, ce qui fait que c'est un étudiant, un chercheur, c'est un promoteur d'entreprise, c'est un start-up, un porteur de projet qui trouve un espace de travail et il s'installe le matin, le soir, lorsque son contrat est fini, il quitte. C'est des personnes qui viennent par exemple au Cameroun pour des raisons de vacances, de congés, et au lieu d'arrêter le travail ou alors de travailler à la maison où ce n'est pas souvent assez évident, ils peuvent prendre un temps dans l'espace coworking et maintenant travailler comme s'ils étaient en Europe en même temps, connectés et voilà, dans les conditions de travail. Voilà un peu pour ce qui est de l'activité du coworking. Après, il y a des salles de conférence disponibles, salles de réunion que nous pouvons prendre selon que nous avons la capacité ou alors que ce que nous voulons faire nous l'impose. Ceci dit, vous pouvez prendre une heure, vous pouvez prendre une demi-journée, une journée, un mois et en montant, selon votre capacité à gérer ou à payer, en fait. Donc voilà, et puis à côté de ça, donc, il y a d'autres activités comme l'intermédiation qui suivent, l'intermédiation, la mise en relation entre les personnes qui ont besoin d'un certain nombre de services et les personnes qui ont la capacité de service. Et puis nous développons dans l'avenir, dans la prospective, c'est que tous les éléments qui sont inscrits dans notre registre de commerce, que nous puissions les développer. Donc voilà un peu si on peut parler d'activité. C'est plutôt pratique comme métier. Alors on est d'accord, depuis plus de 5 ans aujourd'hui, les espaces de coworking, c'est un business qui prolifère au Cameroun.
C'est un business qui est très présent au Cameroun, notamment dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé. On en retrouve un peu partout et c'est pratique justement pour les entrepreneurs. Quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise à vous par rapport au marché? La valeur ajoutée, pour ce qui concerne notre offre, vous voyez le cœur, la cible est déjà celle des promoteurs d'entreprise, parce que c'est en liaison avec l'Association des entrepreneurs du Cameroun, parce que ça a été une solution sur la base des problèmes que nous avons constatés dans les activités de l'Association des entrepreneurs du Cameroun. Et donc, le besoin qui était exprimé était celui d'avoir un local où un jeune ou alors une PME pouvait travailler, pouvait conclure des rendez-vous avec ses partenaires dans un cadre professionnel. Vous voyez très souvent, c'est dans les snacks, excusez-moi du terme, dans les snacks, les buvettes et tout, que généralement se font des rencontres professionnelles. Mais c'est pas souvent sérieux. Ce n'est pas souvent sérieux, vous avez la musique, vous avez la boisson, l'espace il n'est pas assez conseillé. Vous avez la boisson, ça veut dire que vous êtes en train de dépenser. Par contre, il y a un agent que vous n'avez pas. Vous savez, au Cameroun, nous avons une culture de réception. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un dans un snack Sans lui sans offrir pouvoir quelque chose. le recevoir. Par contre, lorsque vous êtes dans un espace coworking, il y a déjà le sérieux de savoir que nous sommes dans une entreprise. Et donc, la personne vous vis-à-vis, il vous prend beaucoup au sérieux. Et puis, le temps que vous avez réservé, c'est un temps que vous mettez vraiment à contribution pour atteindre vos objectifs que vous avez avec votre partenaire. Donc, vous voyez que là, c'est déjà un espace de travail dédié uniquement pour votre activité qui ne vous permet pas de sortir. C'est un secrétariat, c'est le café, justement, c'est-à-dire que tout ce que vous trouvez en entreprise. Une autre plus-value, c'est le choix de l'environnement, du quartier. Nous avons choisi Bastos, qui est le centre des affaires. Lorsque vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, et qu'on vous dise que vous êtes à Bastos, vous comprenez que c'est des figures de qualité, c'est une classe sociale assez considérable que vous allez trouver là-bas. Ça veut Mais dire justement, quand on est à Bastos, est-ce que c'est accessible à tout le monde? que... Justement, c'est lorsque je vous présente aujourd'hui le milieu d'affaires qui est Bastos. Après, je vous dis, nous avons choisi cet espace et que nous donnons l'accessibilité aux PME, aux hommes d'affaires, aux start-upers même de prendre les espaces. Parce que justement, ces espaces sont accessibles à des coûts vraiment, vraiment bas. Imaginez-vous, vous êtes à Bastos. Après, vous pouvez prendre un espace à 200 000, 150 000, 80 000 francs le mois. Vous voyez, et vous menez votre activité pendant un mois avec toutes les conditions dont je suis en train de vous citer. Donc, je pense que c'est là une opportunité que quelqu'un pourrait saisir. Voyez-vous, voilà. Alors, vous êtes rapidement quand qui vous êtes et comment est-ce que vous êtes parti de votre formation en gestion pour vous retrouver dans cette entreprise? D'où vient l'idée entre vos études? C'est vraiment Camerounais pour comprendre, il faut être Camerounais pour comprendre ce qui peut se passer entre les études qu'on a eu à faire et ce qu'on fait après les études. Je fais gestion. Après la gestion, justement, je m'avais géré un projet de construction de route sur la route de Djoum, où je suis gérant statutaire. C'était sur un déplacement sur 5 km. Là, je suis dans la fonction. Je reviens, j'entre dans un cabinet où je fais. C'est ce que je savais quand même peu. J'ai fait une petite formation parallèle après les études parce que ça n'allait pas. Et là, on me prend un cabinet où nous faisons les études de marché et tout. C'est dans ce cabinet que un monsieur qui m'a vu travailler, il m'approche, il me dit, mais Wolf, est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, assurer
la gestion de notre secrétariat parce qu'il avait vu qu'on ne dormait presque pas dans ce cabinet. On venait le matin, parfois on dormait au cabinet, on rentrait le matin. Donc il a vu un jeune qui se battait vraiment, qui voulait se battre. C'est comme ça qu'il me propose et je passe à l'entretien. On m'appelle, on me dit qu'on vous voit à l'entretien pour être secrétaire exécutif. Mais pour vous dire la vérité, le français, je ne sais pas écrire, je parle très mal français. Et vous n'étiez pas encore entrepreneur à ce moment-là ? Non, je ne suis pas entrepreneur, je cherche le travail. C'est-à-dire, je ne suis même pas encore employé, je cherche le travail. Donc quand on m'appelle, on me dit, on vous veut comme secrétaire exécutif et tout, je passe à l'entretien. Quand je rentre, je suis avec mon frère, qui aujourd'hui est déjà, il est magistrat. Nous sommes dans une situation où on n'arrive même pas à manger le matin. Je lui dis secrétaire exécutif, je ne sais pas écrire français. Je lui demande c'est quoi secrétaire exécutif. Il ne peut pas me dire. Bon, on veut le travail. Donc on commence, j'arrive, il s'agit de l'entrepreneuriat, définition de l'entrepreneuriat, je ne connais pas exactement c'est quoi l'entrepreneuriat. J'entre justement dans cette mouvance de l'entrepreneuriat. Voilà, comment est-ce que. Là-dedans, il faut dire quelque chose. J'ai peur de tout le monde qui fait dans l'entrepreneuriat. Vous avez peur de maladies, vous avez peur de tout. Mais il faut le dire, je remercie mon président, le président aujourd'hui, si vous me permettez, M. Steve Tchatchouan, qui m'a donné vraiment cette possibilité-là de pouvoir m'exprimer. Parce que je pense que si ça avait été un autre président, une autre personne, peut-être il m'aurait chassé pour incompétence. Mais nous avons travaillé jusqu'à ce que je me rappelle un jour, il m'a appelé, nous avons fait une réunion de... Il m'a appelé de Yaoundé pour Douala, où nous avons fait une réunion de 30... De, non, une réunion de peut-être 5 minutes. Il m'a dit, monsieur, si vous ne vous mettez pas à niveau, dans un mois, on se sépare. Parce que j'écrivais mal français. Vous pouvez imaginer toute la responsabilité qu'il y a de gérer un secrétariat exécutif. Vous êtes en relation directe avec les partenaires au développement. Vous êtes en relation directe avec les ministères, les ministres, sachant, les sachant directeurs. Sachant que vous aviez ce niveau, il voulait quand même vous donner ce poste parce qu'il a vu vos compétences. Je me dis que lorsqu'il a observé aussi la jeunesse que j'avais à ce moment, parce que ce sont les affaires de 2016, il a observé la jeunesse, il a quand même vu comment je me battais, j'avais un certain nombre de propositions, et qu'il s'est dit que si on venait à booster ce jeune, peut-être il s'en sortirait mieux. Donc je pense que voilà ce qui m'a vraiment sauvé. Et voilà, une fois, deux fois, il fallait passer à la télé. Mon premier passage à la télé, c'était terrible. Lorsque je descends, c'était la CIATV. Mais il m'a grondé, tout le monde m'a grondé parce que je vivais. Vous imaginez, vous passez à la télé, vous n'avez pas été coaché pour passer à la télé. Vous allez parler entrepreneuriat, vous pensez que tout le Cameroun, tout le monde vous écoute. C'est stressant. Donc voilà comment je me forme dans le poste progressivement. Le lendemain, il fallait passer à Canal 2 où on m'a laissé peut-être pendant 7 minutes abandonné à la chaîne. C'était encore grave. C'était tout le stress en fait. Ce qui fait que, au fil des aiguilles, année après année, j'ai quand même su attraper cette peur et j'ai commencé à conseiller les gens sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que comment monter un projet, comment lancer son activité. Maintenant la ressource humaine, puisque nous avons lancé un programme sur les techniques de gestion d'entreprise. Et en même temps que nous faisions ce tour du Cameroun, parce que nous avons fait aujourd'hui avec l'AEC, excusez-moi de parler de l'AEC, parce que c'est ça qui explique... Voilà, AEC, Association des entrepreneurs du Cameroun, c'est ce qui explique la maîtrise que j'ai pu avoir aujourd'hui de l'entrepreneuriat pour pouvoir gérer Network Business Center, qui est... l'entreprise de coworking qui fait l'objet de notre entretien aujourd'hui. Donc nous avons fait aujourd'hui le tour du Cameroun, les 10 régions du Cameroun avec le programme de technique de gestion d'entreprise, le week-end des entrepreneurs, c'est comme ça qu'il était baptisé. Et vous voyez qu'au fil du temps, moi-même j'ai eu une capacité à pouvoir gérer. C'est donc ainsi que Network Business Center naît justement à la fin du programme du week-end des entrepreneurs parce que un des problèmes épineux, c'est le problème de domiciliation des entreprises, hébergement, qui est inséré. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des entreprises dans les sacs.
Or, aujourd'hui, c'est la possibilité de les domicilier dans, par exemple, le coworking, c'est de venir faire des travaux professionnels dans ces espaces-là. Donc, au-delà des problèmes que sont les problèmes de financement, les problèmes de gestion de la ressource humaine, la maîtrise de la communication, le marketing, il y a justement ce problème immobilier qui fait où est-ce que vous trouvez une entreprise. Si vous ne pouvez pas localiser une entreprise, ça veut dire qu'à la fin, vous ne pouvez pas faire confiance à cette entreprise. Donc, et du coup, les relations, même avec une banque, deviennent très compliquées. Les relations avec le gouvernement, l'État deviennent compliquées. Donc, les relations avec tous vos partenaires deviennent compliquées lorsqu'on ne peut pas vous localiser, vous repérer et dire, si on se lève le matin, on peut vous trouver à tel endroit. D'où l'idée de la création de votre entreprise. D'où l'idée donc de la création de l'espace coworking qui va donc satisfaire le problème de domiciliation des entreprises, d'hébergement des entreprises, de travail et de recherche. Et là, nous sommes en quelle année ? Et là, l'entreprise, elle naît en 2020. C'est-à-dire le programme, il a commencé en 2015, il finit en fin 2019. Et l'entreprise naît donc en 2020. Si ce n'est pas indiscret, quel était votre capital au début et quel rendement est-ce que vous prévoyez avoir mensuellement, trimestriellement ou annuellement, dépendant des prévisions que vous avez faites? Bon, il faut le dire, nous sommes partis sur, en fait, c'est que puisque beaucoup de personnes demandent des espaces, les espaces sont chers, on s'est dit, si on met ça en place au Carrefour Bastos, c'est vraiment une aubaine à ces prix-là. On va faire le full. L'idée ici était d'atteindre un objectif de 56 000 la journée, c'est-à-dire de chiffre d'affaires jour, pour qu'on puisse couvrir les charges qui sont les nôtres, qui vont à plus de 1,5 million le mois. Location, gestion du personnel, ça ce sont des charges fixes, maintenant si on va intégrer quelques charges variables. Avec 56 000 quand même, on pouvait déjà couvrir ces charges. Et de façon enthousiaste, on s'est dit qu'en fin d'année, on pourra donc déjà faire un bénéfice. Et donc, nous nous sommes lancés. J'ai envie de vous dire que pour la première année 2020, nous avons réalisé, j'ai envie de dire zéro chiffre d'affaires. Oui, nous avons, malgré toutes les charges, malgré toutes les charges, malgré toute l'agnac, on a fait la publicité, on a fait des flyers, on a fait tout ce qu'on a pu faire, on a partagé. Jusqu'à peut-être octobre, on n'avait pas de clients vraiment. On spéculait. Zéro client ? Oui, zéro client vraiment. Quelques impressions de secrétariat. Après, on a eu quelques personnes qui sont venues organiser les assemblées de fin d'année. Peut-être une journée, vous voyez qu'on avait déjà fini presque toute l'année. Je tirais au découragement. Lorsque vers novembre, j'ai donc un premier client. Là, c'est un Tchadien, monsieur arrive. Est-ce qu'on peut se voir? Il voit l'espace. Il arrive, je lui dis les espaces, c'est que moi j'avais même déjà peur de proposer 200 000 parce que je me disais que est-ce que ça va aller. Je lui dis, c'est 200 000, 200 000. Il dit, d'accord. Il regarde, je lui présente tout ce qu'il y avait comme atout. Je me dis, peut-être il va piaffer, il va partir. Après, je vois, il tourne. Après, je lui dis qu'on peut faire une réduction quand même. Donc, vous voyez que j'étais dans la peur. Après, finalement, le monsieur dit, bon, je prends les deux espaces. Je dis, waouh. Il prend donc les deux espaces à 350 000. Donc, je fais quand même une réduction, puisque j'avais déjà promis. Pour lui, en fait, on ne promettait pas la réduction. Monsieur veut travailler avec leur entreprise qui est au Tchad, pendant qu'il est au Cameroun avec l'autre entreprise qui est la filiale qui est en France. Donc, vous voyez, trouvant ce centre, c'est parce que peut-être vous aurez le temps de visiter. C'est tellement beau, luxueux. Et c'était parti pour un contrat de 2 mois. Renouvelable, c'est là où je vois le premier 700 000 francs qui entre dans mon compte et ça fait sourire vraiment vers la fin d'année. Après des mois d'attente, presque au bout de l'attente et puis on veut peut-être baisser les épaules et tout, ça donne un peu de force en ce moment-là.
Les réalités de l'entrepreneuriat sont très difficiles, sont rudes. L'histoire vous fait comprendre que... Comment est-ce que vous avez pu tenir pendant tous ces mois? Il fallait continuer à payer les charges fixes vu que L'entrepreneuriat, lancer une activité, c'est de prévoir qu'une activité peut-être sur 3 ans. Mm-hmm. Donc, vous mettez quand même un ensemble de fonds de roulement lorsque vous avez fait l'investissement. Mm-hmm. Prévoyez un roulement peut-être sur 3 ans. Mm-hmm. Bon, c'est vrai que nous, n'ayant pas assez de moyens pour cette activité et qu'on se disait que l'activité allait prendre, on s'est quand même rassuré que peut-être jusqu'à la première année, qu'on puisse avoir le roulement et qu'à partir de la deuxième année, déjà, ce que nous allons allouer pour le roulement soit vraiment une quantité infime parce qu'on aura fait un bénéfice pour la première année. Mais malheureusement, nous sortons de là avec des charges de plus de 9 millions cette année. Et vous voyez que nous n'atteignons même pas un chiffre d'affaires de 1 million. En parlant justement des fonds qui vous ont permis de lancer l'activité, quel type de financement avez-vous obtenu? Le financement, c'était un financement individuel. Fonds propres. C'était sous fonds propres. Mmh. Il a été individuel entre nous, les partenaires. Mmh. Donc, nous sommes dit, il faut se lancer. Et nous nous sommes lancés, et quitte à ce que lorsqu'on aura travaillé, parce que c'était sur un modèle, se diriger vers la banque tout de suite lorsqu'on commence une activité, pour dire qu'on va prendre un crédit pour lancer l'activité, ce n'est pas très évident. Mm-hmm. Encore que l'activité que nous voulons faire, ce n'est pas une activité vraiment qui est déjà entrée dans les habitudes. Donc on se dit il pourrait y avoir des résistances. Donc, nous allons faire l'activité. Et puis, s'il faille prendre un crédit, le crédit soit sur la base des activités que nous aurons, de l'expérience que nous aurons eue de l'événement, de l'activité. Mm-hmm. Et puis, que là, les établissements financiers puissent nous accorder des crédits sur la base de notre travail. Mais l'investissement, vraiment, nous nous sommes battus parce qu'on s'est préparé pour un moment pour le lancer. Mais on ne va pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas pris des crédits aujourd'hui. Mm-hmm. Quand même, c'est juste le fonctionnement avec lequel nous tournons. Et puis, à court terme, nous remboursons et on essaye de faire. Ce n'est que, je vais vous dire quelque chose, ce n'est qu'en fin d'année 2021, début d'année 2020, qu'on commence à nous faire ces faveurs. Début d'année 2022. Depuis, voilà, mm-hmm. voilà. Donc, voilà un peu. Est-ce que vous diriez qu'on est plus calme, qu'on a plus de quiétude lorsqu'on démarre à fonds propres? Oui. Oui, ça c'est clair. Un peu plus de quiétude. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés quand même liées à ce type de financement, même si ce n'est pas un prêt comme la plupart des autres types de financement? La réalité, c'est que vous êtes conscient. Imaginez-vous que vous commencez une activité avec l'argent que papa vous donne. Mm. Ça, c'est comme quand vous alliez à l'école. On prend un argent, on vous donne, vous êtes à l'école, vous l'utilisez, et puis vous attendez à la fin du mois, on va vous donner un autre argent. Mm. Bon, maintenant, il y a une autre ressource actuellement, parce que vous avez un peu grandi. Vous sortez maintenant, vous faites un travail, un petit vous jobbez, comme on a l'habitude de le dire, et puis vous revenez, vous avez vos 25 000. La réalité, c'est que vous ne dépensez plus ces 25 000 comme les 25 000 que votre papa avait l'habitude de vous donner. Non, vous le dépensez minutieusement parce que vous êtes consciente de la souffrance que vous avez endurée pour que finalement on vous donne ces 25 000 francs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça la chose. De savoir que ça, c'est un argent, par exemple, que je me suis sacrifié pendant peut-être un an où j'ai travaillé quelque part, je cotisais. Pour que finalement, en début d'année 2020, que j'ouvre l'entreprise et que j'équipe la structure pour commencer à fonctionner. Ça veut dire que moi-même, je suis plus regardant sur le fonctionnement de l'activité. J'ai fait plus d'économies, je vais sur mon matériel. Même lorsque je dois recruter quelqu'un, même lorsque moi-même, je dois manger avec cet argent, c'est avec beaucoup de recul, avec beaucoup de calcul.
Oh, très souvent, lorsque c'est une subvention qui sort, par exemple, du gouvernement, ce qui est pour d'autres personnes, en fait, ils se disent que c'est un argent qu'on a donné comme ça, et puis après, l'entreprise, elle va tourner, peut-être pourra retomber. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un avantage, si je veux répondre, c'est un avantage vraiment de se lancer sur fonds propres. Ou alors, maintenant, après, c'est d'utiliser donc les autres moyens, que sont les apports de la famille lorsque vous avez déjà quelque chose, parce que même la famille, lorsqu'on veut vous donner quelque chose, ou vous êtes à quel niveau? Si vous dites je veux 1 million, mais aujourd'hui j'ai déjà 600 000, si vous avez un cousin qui peut vous donner 50 000, votre papa qui peut vous donner 150 000, au moins ils savent qu'ils vous donnent parce que Avez vous avez déjà déjà quelque fait chose. quelque chose. Et même lorsque vous demandez un crédit à la banque vous demande apport personnel. Vous demande qu'est-ce que vous avez déjà dans votre structure et tout, parce que très difficilement on finance l'investissement, mais ils aiment financer les activités qui sont déjà Lancé. lancées. Donc voilà. Justement, quand vous avez déjà lancé l'activité, quelle stratégie marketing utilisez-vous pour attirer des clients dès le départ? Nous avons commencé. Pour ce qui est du coworking, network, étant donné qu'en même temps, je gère l'Association des entrepreneurs du Cameroun et qu'il y a la page, c'est de profiter d'organiser un certain nombre d'activités dans cet espace pour que les gens commencent à avoir l'habitude de le fréquenter. Et pendant donc que les activités sont organisées là, les personnes sont invitées à prendre part gratuitement et puis on fait la présentation des lieux d'espace. Et après, c'est les plateformes comme la page Facebook qui ne nous coûte pas assez cher, en fait, qui ne nous coûte presque pas, sauf si on veut booster une publication, mais ça nous permet d'avoir la visibilité. Nous avons aussi fait des flyers, malheureusement le Covid ne nous a pas permis de De partager, distribuer. mais nous avons quand même fait des flyers, nous avons monté des visuels numériques que nous avons partagés dans les groupes WhatsApp, que nous mettons lorsque nous avons quelqu'un qui arrive, nous lui remettons toutes les plaquettes, les visuels. Et ça permet que parfois de fil en aiguille, que ça se transmette, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers WhatsApp, vous tombez sur un document à travers nos statuts. C'est dit, on a mis, ok, nous sommes peut-être, je dis n'importe quoi, 10 employés, comme c'est le cas à Network, nous sommes 5. Les 5 employés, en même temps, dès qu'on a produit un visuel, les 5 personnes mettent sur leur statut. Vous voyez, ça fait 5 statuts où plus d'une cinquantaine de personnes, chacun vont voir, ça fait 5 fois 50, nous sommes à peut-être 250 personnes qui vont voir Facebook de chacun, Facebook de Network Business Center. Donc voilà un peu les mécanismes de communication que nous avons eus. Et puis aujourd'hui, ça fait que il y a aussi les communications via les télévisions que nous avons aussi empruntées entre-temps, en les évitant par exemple dans nos locaux pour. Et mais ça, c'est coûteux. Mais C'est ça, c'est sûr. coûteux. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment, il faut comprendre que, bon, là-bas, quand même, il y a une large, comment je veux dire ça, possibilité d'être vu. Les chances sont plus développées d'être vu là-bas, mais c'est coûteux. Donc, nous avons commencé vraiment par ce qui ne nous coûte pas de l'argent, D'argent. beaucoup d'argent. Voilà. Et puis, progressivement, nous sommes en train de nous installer dans les mentalités, en même temps de parler de montrer l'activité, vulgariser l'activité et vulgariser maintenant notre espace coworking. De tous ces mécanismes de communication que vous avez cités, en 2 ans d'existence, lequel pensez-vous a eu plus d'impact? Parce que je suppose que lorsque vous recevez des clients, vous leur demandez où ils ont entendu parler de vous. De Facebook, aux flyers en passant par les statuts, quel mécanisme pensez-vous a eu plus d'impact? Deux mécanismes, je dirais deux mécanismes, deux, Principalement. oui, principalement les deux, c'est dire Facebook, où on a publié et puis il y a des retours qui sont assez visibles déjà.
Maintenant, il y a WhatsApp à travers les statuts où nous avons des proches qui nous connaissent et qui disent waouh, c'est beau, les espaces, on peut les avoir où, si vous êtes à quel niveau et tout, directement par WhatsApp, il vous contacte. Et quelquefois même, lorsqu'il a vu un bel espace, il peut recommander, j'ai eu beaucoup de recommandations. Il y a dit quelqu'un qui dit oui, d'accord, je vais envoyer quelqu'un là-bas qui va venir, qui a besoin d'un espace de travail, comme j'ai vu, j'espère qu'il est beau et tout ça. Il dit, ok, il est professionnel, Le il vient, bouche à oreille de marche bouche à aussi bien oreille. alors. Oui, tout à fait. Et puis le bouche à oreille, il faut tenir compte du fait que ça dépend du relationnel. Donc c'est votre relationnel, il est aussi un élément essentiel dans le canal de communication. Si vous avez de mauvaises relations, soyez sûr d'une chose, c'est que votre communication ne pourra pas passer via les réseaux sociaux. Les gens vont venir peut-être liker, peut-être les gens vont venir. Mais il y aura très peu ceux qui vont partager votre communication. Et là, ça vous aide pas vraiment. Donc le relationnel est un facteur clé Est un également pour facteur, l'évolution de ce business. oui, il est capital. Il est capital. Sur les réseaux sociaux, il est capital relationnel. Dans une activité comme celle-là. Et voyez-vous, nous sommes dans une concurrence. Donc, la concurrence où il y a d'autres structures de coworking et certainement d'autres qui sont plus équipés, d'autres qui sont plus proches d'un endroit et tout. Et puis, quelqu'un choisit de venir travailler chez vous parce que, au moins, vous, il vous connaît déjà. Donc, voilà un peu pour ce qui est du relationnel et de la communication. Alors, en 2 ans d'existence, c'est sûr que Network Business Center n'est plus exactement ce qu'il était au départ. Quelles sont les étapes clés de l'évolution qu'a connue votre entreprise à ce jour? Lorsque parlons de l'évolution, je vous parle déjà par exemple de la création. L'évolution aujourd'hui, c'est né en 2020. Et de 2020 jusqu'en 2022, aujourd'hui, nous avons fait l'effort à chaque année de produire nos états financiers de chaque fin d'année. La première année, nous n'avons pas vraiment fait d'activité. Comme je vous ai dit, c'est en fin d'année qu'on vient faire la première activité. C'est-à-dire Donc, que concrètement, vous le avez premier un an de chiffre à terre, fonctionnement. voilà. Et vous voyez, nous sommes à près d'un million et que les charges sont à 9 millions. Pour l'année 2021 qui vient de s'achever, nous sommes à un chiffre d'affaires de 4 millions avec des charges de 11 millions, plus de 11 millions. Oui, et donc un écart négatif de 7 millions et quelque chose. Vous voyez un peu? Et puis en début d'année 2022, on se dit, OK, maintenant on se ressaisit, on se définit des objectifs. Est-ce que ces objectifs sont smart? On essaye de voir et on se fixe. Parce qu'au début, la première année, on ne s'est pas fixé des objectifs. On a dit, bon, voilà, on a essayé de voir, on n'a pas suivi vraiment. La deuxième année, on s'est encore lancé, on s'est dit, OK. On reste sur la base de notre coworking et puis on voit ce que ça donne. Les objectifs, c'est juste la communication et tout. On finit quand même en fin d'année avec 4 millions et avec ce décalage. Mais après, on s'est dit, cette année, la troisième année qui est en train de commencer, on dit, mais maintenant, avec notre expérience que nous avons de l'entrepreneuriat, il faut se fixer des objectifs depuis le début d'année. On s'est dit, bon, voilà, on peut atteindre, c'est possible d'atteindre 70 millions. Et je suis sûr que après vous souriez parce que Non, les là gens vous qui nous donnez des n'arrivent pas. chiffres, mais jusqu'à présent, les téléspectateurs ne savent pas exactement quel était le capital du départ. Voilà, le capital du départ, si nous avons constitué le capital progressivement, Déjà, vous êtes c'est-à-dire que combien d'associés? nous sommes deux associés. Nous sommes deux associés, donc un qui est vraiment, vraiment majoritaire, qui est le promoteur, et moi le gérant statutaire. Donc vous voyez, c'était l'acquisition de l'espace, l'équipement en premier niveau, et puis progressivement, on investissait encore.
pour acquérir des bureaux, pour acquérir des tables. L'investissement était L'investissement progressif. était progressif. Vous voyez un peu? Ce qui fait qu'au début, on n'avait pas. Nous étions dans les 3 millions. Les 3 millions. Et puis progressivement, on a équipé aussi en fonction de la demande. Parce qu'on s'est dit, il faut couper les espaces. Vous voyez, il faut se faire des séparations en alu et tout ça. Le premier client qui vient, avant qu'on fasse les séparations, il dit non, en fait, les séparations aussi, je prends les deux. Vous voyez que ça nous galvanise, ça nous tue le fait de couper. Voilà une dépense en moins que nous allons enlever. Et puis on s'est dit, mais pourquoi se casser la tête à essayer de finir vraiment tout l'investissement avant de se lancer? On a donc commencé à aller progressivement. Lorsqu'un client prenait comme celui-là 700 000, on se disait, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut encore quelques fauteuils. Voilà, on partait, on achetait les fauteuils. L'année dernière, un écran 42 pouces ou ceci. On part, on achète vidéoprojecteur et tout. On constate, les clients nous disent, bon voilà, il y a telle chose, on ajoute. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire. Mais aujourd'hui, c'est parce que dans ma tête, je ne peux pas vous donner nettement le montant de l'investissement. Mais nous avons dépassé le cap de 10 millions. Le cap de 10 Il y a millions quand même pour ce encore client. grand espace là, parce qu'on se retrouve à 11 millions de charges, alors qu'on n'a pas atteint 10 millions d'investissement. Oui, vous voyez les charges, elles vont continuer d'être, les charges peuvent être supérieures à l'investissement. Vous pouvez investir même, vous pouvez investir 2 millions, mais après vous avez les charges qui s'élèvent en même temps. Ça veut dire que vous pouvez dans une activité, vous pouvez faire, par exemple faire une activité, je dis n'importe quoi, qui vous donne peut-être un chiffre, vous investissez 1 million, vous faites de l'activité, vous gérez et des charges, vous avez un bénéfice à ce moment-là qui tourne, après vous sortez l'argent. Donc ça a été vraiment, je ne veux pas vous dire qu'on a eu un chemin de professionnel, mais ça a été vraiment une bataille. La bataille de dire que le coworking doit vivre, il ne doit pas mourir, et il doit se développer pour pouvoir faire la concurrence avec les autres coworking qui sont déjà existants. Justement, pour le fonctionnement de votre coworking, combien d'employés avez-vous? À ce jour, comme je disais, nous avons 5 employés. Nous avons le gérant statutaire que je suis, une secrétaire, un comptable, une responsable marketing et communication et une responsable commerciale. Et comment est-ce que vous motivez cette équipe au quotidien pour hisser votre entreprise un peu plus haut? Voilà, il faut se dire parce que ça encore c'est ce qui est compliqué. C'est ce qui est très compliqué de savoir qu'on n'arrive pas à faire le chiffre d'affaires prévisionnel. Nous avons des charges salariales qui sont incompressibles. Et voilà, c'est un style de management, n'est-ce pas, qui... Pas qu'il, je n'ai pas envie de dire qu'il nous est propre, mais c'est un style de management qui est assez conseillé. C'est de montrer à votre équipe de savoir que voilà les charges que nous avons. Et nous pensons que voilà les charges que nous avons, voilà la masse salariale et voici les activités. Quel est le niveau d'activité que nous avons eu? Quels sont les entrées que nous avons réalisées pour que finalement on soit payé? Vous êtes consciente que 1 mois vous n'avez pas fait d'entrée, 2 mois vous ne faites pas d'entrée, 3 mois vous ne faites pas d'entrée, vous voyez que après vous-même vous vous remettez en cause. Donc on a vraiment un système managérial ouvert, explicite, qui fait que de temps en temps on fait le point sur ce qui est entré, n'est-ce pas? Et puis à la fin du mois quand même, il faut se le dire. Même jusqu'aujourd'hui, le personnel n'a pas souffert de problèmes de paiement de salaire, peut-être d'un retard,
Mais pour ce qui est du paiement, on va vous dire, on a fait 1 mois, même en période Covid, on a fait 1 mois, on a fait 2 mois. Il n'a vraiment pas connu ça, ça a eu des retards, parce que nous avons quand même prévisionné cette partie du fonctionnement depuis la création. Donc voilà, et aujourd'hui, lorsque le personnel même arrive à réaliser un chiffre d'affaires, il dit, OK, j'ai vendu un espace ou amené une affaire, autant pour moi. Et qu'après ça, il y a sa motivation qui suit cette fin du mois et voit comment les choses sont fluides. Et que dès que, quand les choses s'augmentent, il y a des petites primes, il y a tout ça, ça fait que ça motive vraiment. Ça Réellement. motive. Voilà, on a commencé, nous étions à pied. Aujourd'hui, nous avons un véhicule. Donc, vous voyez que Ça montre qu'il y a de ça l'évolution. montre qu'il y a de l'évolution. Donc maintenant, responsable commercial ou marketing peut sortir véhiculé pour une séance de travail. Et puis, toute l'équipe se sent galvanisée et de comprendre que si nous travaillons davantage, mieux nous allons travailler, mieux nous allons faire le chiffre d'affaires, mieux tout le monde sera. Alors, de votre expérience dans le business des espaces de coworking, quelles sont les périodes d'affluence et les périodes mortes? Mais surtout, quels sont les facteurs de ces fluctuations-là? Les périodes mortes, généralement, nous avons les périodes de fin d'année. Bon, j'ai envie de dire les périodes d'activité. Nous avons les périodes de fin d'année, les périodes parfois de 11 février, fin d'année jusqu'à une certaine période de 11 février. Nous avons encore les périodes de fin d'année. Quand je dis fin d'année par rapport aux écoles, ça veut dire que juin. Mai, juin, juillet, à partir du moment où les gens commencent à venir en vacances. C'est une période où les espaces sont occupés. Bon, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont installées, les promoteurs camerounais, qui sont installés pour des périodes Plus longue. assez un peu plus longues. J'ai aujourd'hui des gens qui ont signé des conventions sur 7 mois, sur 4 mois. Vous voyez un peu? Bon, ce qui fait que nous ne comptons plus seulement sur, je vais dire, la diaspora ou alors ceux qui sortent de l'étranger, qui maîtrisent déjà, qui avaient déjà cette habitude de travailler dans les espaces de coworking, dans les espaces privés de location. Donc, voilà un peu les périodes. Donc, ça Finalement, s'expliquait il n'y a pas plus. vraiment de période morte. Il y a pas vraiment j'ai envie C'est de un bon dire, business s'il n'y a pas de période il n'y a morte. pas vraiment de période morte si vous avez taillé aussi ça dépend de la cible que vous avez visée. Vous voyez, si à travers votre capacité commerciale, vous parvenez à fidéliser, par exemple, voilà des promoteurs qui sont installés pour 7 mois, 6 mois. Vous comprenez que pendant cette période de 6 mois, vous avez au moins 2 personnes qui sont là. Vous n'allez pas dire qu'il y a des fluctuations et puis ça descend. Mais maintenant, lorsque vous observez, par exemple, pendant les grandes vacances, il y a des demandes qui arrivent, des personnes qui sont vraiment pressées, qui veulent travailler, des conférences et tout. Vous comprenez que c'est dû au fait que les gens sont en train de sortie des autres pays, ils sont ici, ils veulent les espaces professionnels de travail, c'est-à-dire les conditions de travail requises pour c'est-à-dire pour occuper de façon rationnelle le temps pendant qu'ils sont au Cameroun. Vous comprenez que ce sont les gens de la diaspora ou bien de l'extérieur. Et c'est pareil vers la fin d'année, vous avez la salle de conférence, par exemple, de réunion qui est sollicitée par les associations, les structures qui veulent organiser les assemblées générales. Ils disent, bon, OK, on veut rassembler notre personnel ou bien nos adhérents pour qu'on discute. Donc, ça fait qu'à ce moment-là, vous êtes un peu saturé. Les gens vous disent, OK, on veut ça en janvier, on veut ça en octobre, on veut en novembre, on veut en décembre. Vous avez aussi ces entrées-là. Parfois avec d'autres qui viennent faire leurs assemblées générales en janvier. Donc voilà un peu les raisons
de cette affluence que nous connaissons à ces périodes-là. Finalement, il y a des clients presque à toutes les saisons, alors, sauf que ce ne sont pas les mêmes types de clients. Voilà, voilà. Il y a des clients à toutes les saisons, sauf que ce ne sont pas les mêmes types de clients. Bon, après, tous les nationaux, on essaye de causer un peu plus. C'est toujours, il faut discuter. C'est bas, mais il faut encore discuter parce qu'ils se disent ça ne va pas. Après, on trouve quand même un compromis et puis il accède parce qu'on ne va pas rester vide toute la période. Vous voyez un peu. Donc parfois on lance des promotions pour essayer de baisser le coût. Voilà comment est-ce que ça se passe. C'est pas facile. D'accord. Alors globalement, pour une personne qui veut se lancer dans la même activité, qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement? C'est-à-dire les avantages et les inconvénients liés à l'activité. Je parle de du vécu, de votre expérience, de bien sûr. L'expérience. Voilà. C'est de faire, de choisir un milieu qui est selon votre cible. C'est-à-dire que c'est déjà de regarder une cible. Il s'est dit, on se positionne par rapport à sa cible. On fait ses locaux, le choix de l'environnement où on s'installe en fonction de sa cible. Et c'est en fonction de cela que nous allons faire le décor, nous allons équiper. Par exemple, vous n'allez pas choisir d'équiper, par exemple, vos bureaux avec des tables, bureaux de peut-être 400 000, 500 000, si vous avez ciblé la basse classe, ou la classe vraiment moyenne. Vous allez venir dans les 200 000, 150 000 et tout, de 100 000. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'en fonction de votre cible, vous devez pouvoir adapter votre offre. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous êtes dans une offre moyenne, ne pensez pas que les grands hommes d'affaires, vraiment, UP là, ils vont venir. Parce que j'ai vu, par exemple, dans mon coworking, des gens avec qui vous échangez, ils disent vraiment, c'est combien, ça coûte combien la journée là-bas? Vous lui dites que la journée ici, ça coûte 15 000. Il dit, waouh, est-ce que vraiment c'est la qualité? Vous voyez? Quand vous avez peur que c'est 15 000, il va dire peut-être c'est cher. Mais lui, il s'est dit que 15 000 à Bastos, est-ce que vraiment c'est de la qualité? Vous voyez que c'est une classe un peu plus élevée. Bon, quelquefois, quand ils arrivent, ils disent, waouh. C'est là où tu comprends que le prix peut-être que vous avez donné, ce n'est pas un prix qui mérite l'espace. En fait, il est un peu moins par rapport au standing que nous avons chez nous. Donc, voilà un peu un ensemble de choses. Il faut pouvoir adapter son offre à sa cible. Et à partir de là, c'est une communication. Et puis, ne pas se dire, voilà, se fixer des objectifs. Et puis, lorsqu'on n'a pas atteint les objectifs pour ce qui est du coworking, se fatiguer. Parce que c'est comme si vous avez un enfant qui naît, à qui vous apprenez à marcher, à parler. Et c'est compliqué. Ça veut dire que vous allez lui dire, non, laissez, asseyez-vous simplement. Vous pouvez, si quelqu'un veut vous voir, dites à la personne d'appeler. Il va encore appeler, on l'appelle encore dans son téléphone, on lui dit non, laissez donner le numéro de la réception, on va appeler et puis on va vous contacter. Si quelqu'un doit venir vous rendre visite, que la personne s'adresse au secrétariat, le secrétariat va recevoir cette personne, l'enregistrer et venir vous dire qu'il y a tel qui veut vous voir, ça fait que vous êtes dans les conditions de l'entreprise. Et on vous prend beaucoup plus au sérieux. On vous prend beaucoup, beaucoup plus au sérieux. Donc, ça fait que vous voyez que c'est une démarche. C'est une démarche qu'il faut comprendre parce que finalement, après, il y a ceux qui sont là, qui comprennent déjà le fonctionnement d'un coworking et puis ils renouvellent. Ils s'y sentent à l'aise. Après, c'est compliqué parce que avec mon personnel, parfois, comme vous savez, après les dames et les autres, elle se dit non, elle va pas nettoyer le bureau et tout parce qu'elle arrive, elle fait, je lui dis non, mais attendez. Ces entreprises qui sont installées dans vos bureaux, ce sont vos bébés, ce sont vos enfants. Après le travail, vous devez vous rassurer que l'espace est propre,
Parce que quand il recommence demain, il doit recommencer dans un bureau totalement clean. On a nettoyé, on a parfumé, on a tout arrangé. Et la porte est refermée, il arrive, c'est ça. S'il a besoin de quelque chose, rassurez-vous qu'il n'a besoin de rien. Parce que c'est ça qui fait que prochainement, il revienne. Vous voyez que si votre client qui est là, il se rend compte du fait que c'est comme ça qu'il est traité chaque matin, il a sa tasse de café, qu'on lui propose le thé ou le café, monsieur ou madame. Non, un thé. On vient, on lui sert son thé pendant qu'il est en train de travailler. Quand il a fait, il veut saisir quelque chose, c'est là. Vous voyez un peu, c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, ça commence à marcher. Ça commence à marcher, c'est une question d'éducation. Et après, on s'était dit au début, on a dit, bon, on allait prendre tout le palier pour avoir un peu plus d'espace. On a passé, quand on a passé presque un an, parce qu'on avait pris une seule partie, qu'on s'est dit non, ça ne valait pas la peine de prendre les deux parties. Mais après, boum, après le monsieur qui est arrivé, qui a pris les deux clients en 2021, deux personnes sont venues. Après, la même semaine, à la même période, on a quelqu'un qui demande, l'autre qui demande, qui veut, l'autre qui dit, bon, ok, moi je vais prendre. Après, on dit à l'autre qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris pour un mois, attendez. Mm-hmm. Ou non, vraiment, je voulais ça. Après, on se dit que waouh, si on prenait l'autre espace d'à côté, je crois qu'on serait en train de rentabiliser ça. Voilà. Vous voyez un peu ? Une fois la machine lancée. Voilà, ça s'est lancé. Après un moment, vous, c'est encore calme. Mm-hmm. On passe un mois, deux mois, trois mois, vous n'avez pas de clients parce que on n'a pas pu satisfaire tous les clients au même moment. Ils sont partis. Quand l'autre s'y a fini, c'est un mois. Il est parti, vous n'avez plus de clients. Donc, c'est la patience, c'est le travail, c'est la patience, c'est l'éducation de la clientèle. Mmh. Voilà, Network Business Center a connu un parcours quand même assez particulier finalement. Après une longue période morte, c'est la fuyance comme vous le dites. Mais je suppose que vous avez encore de belles perspectives en avant que vous visez. Mais dans ce contexte géopolitique et ce climat d'affaires précaires que nous vivons maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution que vous envisagez pour votre entreprise? La situation, j'ai déjà d'abord envie de dire que cette situation de géopolitique, la situation sanitaire et tout ce qui s'est passé, c'est une situation qui a fortement joué sur les activités, mais qui nous a laissé comprendre que le travail à distance était quelque chose d'assez capital. Parce que voyez-vous, à ces périodes-là, on venait au travail. Mm-hmm. Il y avait des personnes, celles qui sont vite rentrées, qui venaient travailler dans nos locaux en contact avec les personnes de l'extérieur. Vous voyez un peu, elles étaient isolées dans leur box et elles pouvaient travailler. Bon, mais c'était difficile parce que les gens ne sortaient pas. Mais on comprend qu'il faut davantage promouvoir l'activité. Il faut montrer les pans positifs de l'activité. Je vais vous dire une chose. Vous avez votre projet aujourd'hui que vous voulez lancer. Vous avez déjà monté le business plan. Vous avez presque déjà tout fait. Parce que vous n'avez pas assez de moyens, vous voulez lancer. Vous avez besoin d'un ordinateur, d'un bureau, d'un espace pour recevoir les gens. Vous avez le secrétariat et tout. Mais j'ai envie de vous dire que si vous avez, par exemple, 200 000, vous pouvez déjà prendre un mois dans un espace coworking privé chez nous. Mmh. Et puis vous installez comme si vous êtes dans votre bureau. Mmh. Avec les 200 000. Je suis sûr d'une chose, c'est que si vous faites vous lancez votre activité pendant un mois vraiment avec insistance, c'est possible qu'au bout de ces un mois, que vous ayez au moins un client. Mmh. Ou deux, qui vont vous permettre de continuer un mois, le temps que vous vous constituez un investissement pour louer maintenant votre espace et l'équiper selon votre bon vouloir. Donc, vous voyez que c'est un avantage. Et donc, nous devons
dans nos objectifs, c'est de cultiver ça auprès des promoteurs, des PME, des chercheurs, n'est-ce pas? À savoir que c'est une opportunité vraiment à saisir. Imaginez-vous, lorsque vous avez votre activité, que vous restez à la maison, vous avez des enfants et tout, qu'est-ce qui se passe? Que vous êtes moins productif. Parce que interpeller un ami peut-être peut passer à la maison. Mais si vous avez pris les un mois et que vous vous levez le matin, vous prenez votre taxi, vous partez au bureau, vous travaillez, vous êtes plus productif dans cet espace. Vous avez tout le package à 200 000. Vous travaillez. Si vous avez peut-être 400 000, ça vous fait 2 mois. Au terme de cela, vous pourrez déjà dégager un chiffre d'affaires et des activités qui vous permettent de vous maintenir. Donc voilà, essayez de voir en face de vous des partenaires qui vous prennent au sérieux en fonction de tout ce que vous avez mobilisé à moindre coût. Donc, et on espère que si ça entre dans les habitudes, je crois que les coworking seront saturés. Alors Wolfgang et Inga, nous n'allons pas terminer cette émission sans tester la maturité digitale de votre entreprise. On est quand même sur Econouma, une plateforme de digitalisation des entreprises. Donc, vous allez nous raconter votre digitalisation. Alors, premièrement, que signifie pour vous digitalisation en 3 mots? Alors là, c'est un peu compliqué. En 3 mots, la digitalisation, je pense que c'est ici la capacité d'intégrer l'intelligence économique artificielle dans ses activités. Ça veut dire que c'est, par exemple, d'avoir une gestion. S'il faut qualifier digitalisation en 3 mots, quel mot allez-vous choisir? Juste 3 mots. Utilisation des réseaux sociaux, utilisation des logiciels de gestion et la mise en réseau ou travail à distance après. D'accord. Alors, quel regard portez-vous sur la dématérialisation, j'y arrive, des procédures administratives au Cameroun pour les entreprises? Bon, merci vraiment d'attaquer ce point qui est très important, je dirais même capital pour nous les entrepreneurs. Dans la mesure où il y a beaucoup d'avantages qui en découlent, en fait. Il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui qui en découlent. Mais la seule chose que nous déplorons en ce moment, c'est la qualité de cette dématérialisation, par exemple, qui n'est pas maîtrisée. Mais je vais vous dire, c'est la matérialisation, la dématérialisation au niveau, par exemple, de la CNPS, au niveau des activités, des relations avec le fisc ou alors au niveau de la douane. C'est vraiment c'est un processus qui est assez, comment je veux dire, il est salutaire. Il est salutaire dans la mesure où nous gagnons en temps, dans la mesure où ça nous diminue les foyers de dépenses. Nous gagnons en temps, ça diminue les foyers de dépenses. Et voilà, même le gouvernement même, il voit ses caisses, n'est-ce pas, un peu plus costaud par rapport aux années antérieures. C'est en cela que nous allons quand même saluer les efforts qui sont en train d'être faits au niveau du gouvernement aujourd'hui, là où nous avons, parlant de les relations avec le fisc, nous avons les télédéclarations aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de vraiment vous lever, aller dans un centre de division des impôts pour faire vos déclarations. Vous faites vos déclarations en ligne étant assis dans votre bureau. Les paiements se font dans une banque. Et puis, tout est automatiquement fait. Vous pouvez tirer votre attestation de non-redevance. Vous pouvez tirer ça étant dans votre bureau. Ça veut dire que vous avez fait
la déclaration, vous avez payé à la banque et dès que vous avez payé, vous actualisez, vous avez déjà votre attestation de non-redevance. Vous pouvez le faire en 2 jours. Et tout ceci rend les procédures plus légères. Plus légères, vraiment. Alors, qu'aimeriez-vous que la technologie apporte de bien à votre entreprise? Que la technologie, c'est vrai qu'elle apporte déjà un ensemble de choses de bien, mais c'est de donner la clarté dans les relations avec, par exemple, la clientèle. C'est tout cela. Vous voyez, nous sommes dans un centre de coworking. Un centre de coworking, c'est un centre où vous ne savez pas ce que le client fait exactement dans votre... Vous ne savez pas ce que le client fait très exactement dans le bureau où il est enfermé, parce que vous ne le contrôlez pas. Bon, il fait ses activités. Et maintenant, vous vous attendez simplement l'argent à la fin. Vous voyez? Donc, puisqu'il utilise Internet, il utilise l'ordinateur et tout, ce que nous aimerions ici, c'est vrai qu'après, ça peut être des difficultés de savoir, d'essayer de fouiller dans ses affaires ou alors... Mais c'est vraiment d'être protégé de ce que le client fait dans nos locaux. Que, par exemple, il n'y ait pas un retour lorsqu'il a posé un acte, vous voyez un peu, oui. Et que cet acte, par exemple, repose sur nous, Network Business Center. Je prends un exemple. Un monsieur, il est venu, il faisait une activité. Mm-hmm. Bon, parce que quand vous arrivez, on vous reçoit, on vous installe, on vous conduit. Après un moment, il a fini ses 1 mois de travail. Lorsqu'il est parti, après un moment, nous avons reçu une convocation du monsieur. On l'a réceptionné, justement. Mais on leur a dit, le monsieur n'est plus ici, il a fait 1 mois ici. Et il est parti. Voilà les reçus, voilà, et tout. Ils ont cru que c'était un leurre. Ils sont partis, ils sont revenus, ils nous ont menacés. Mais on leur a dit, mais attendez. Voilà d'autres clients qui sont là. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Mm-hmm. Il faut respecter l'intimité de chaque entreprise qui est installée ici. Donc, vous voyez que nous sommes exposés à un ensemble de choses et que nous pensons que la digitalisation, justement, la bonne maîtrise de cette digitalisation peut nous épargner des risques comme cela, que ça soit peut-être bien encadré, défini pour que, après, l'activité, que ce ne soit pas une barrière pour l'activité. Parce que après aussi, si l'entreprise sait que il peut avoir, nous pouvons entrer dans ces fichiers n'importe comment et tout, l'entreprise aussi peut ne plus venir. Parce qu'elle sait qu'on peut entrer dans ces... Une question de sécurité. Voilà, c'est une question de sécurité. Vous voyez qu'à ce moment, je pense que la digitalisation, elle doit... Mais cependant, il faut maintenant arranger un ensemble de problèmes au Cameroun, ce que nous savons, l'électricité, Internet, la qualité d'Internet qui est fournie. Parce qu'il faut le dire, ça impacte véritablement sur nos activités. Voilà, qui sont essentiellement basées sur Internet aujourd'hui. Donc voilà. Alors, comment réserver une place dans un espace de coworking en ligne? Merci pour l'opportunité qui me présentait en ce moment de montrer vraiment ce processus. Je crois qu'à partir de là, j'aurai plus de clients. Nous avons, en ce jour, nous n'avons que la page Facebook. Ça, il faut le dire, nous avons la page Facebook. Et puis, lorsque nous avons publié nos espaces et que les personnes sont intéressées, bon, là, nous sommes dans une communication directe, comme ça se passe, interactive, c'est des messengers. Et puis, ils tombent directement, c'est la communication, c'est d'envoyer les flyers, c'est de lui envoyer le plan tarifaire, qu'il essaye, on essaye de discuter, il choisit. Et après, il vient au niveau de la structure pour conclure. Au cas où, après vérification sur le terrain, et puis on peut conclure. Nous n'avons vraiment pas une méthode, parce que je ne vais pas vous dire qu'on pouvait
déjà faire un site, parce que c'est ce que nous, le site est, il est lourd, ça dit financièrement pour les jeunes entreprises qui commencent. Ah bon? Oui, on s'est dit, nous allons faire le site avec le temps, mais on peut commencer déjà avec ce qui n'est pas coûteux, n'est-ce pas, c'est Facebook. Et là, nous avons certains retours. Bon, maintenant, après, si avec Economa, on peut avoir cette possibilité-là d'avoir une stratégie d'enregistrement de la clientèle en ligne, de souscription, par exemple, en ligne, peut-être avec des fiches et tout ça, le reste. Nous sommes preneurs aussi, les gens peuvent nous faire des propositions de ce genre. Justement, cela rentre tout à fait dans les cordes d'Economa. Alors, l'autonomisation qu'apporte la technologie dans votre secteur d'activité vous réjouit-elle ou au contraire vous inquiète pour l'avenir? Dans un premier temps, ça nous réjouit. Ça nous réjouit parce qu'il y a une facilitation de mouvement, il y a une facilitation d'activité. Tout devient un peu plus facile. On travaille sans se déplacer. On a tout sur place. Il y a des signatures aujourd'hui numériques. Tout se passe. Mais maintenant, après, Internet étant encore nouveau, le digital et tout, il faut maintenant que des techniciens, par exemple, des questions juridiques, qu'ils s'approprient la chose, n'est-ce pas? Pour qu'on ait un encadrement qui puisse nous protéger. Par exemple, les bases de données. Nous avons aujourd'hui un problème, les bases de données sont un véritable problème, qui vont constituer peut-être pour des personnes qui ne sont pas, qui aujourd'hui ne voient pas la guerre, un élément essentiel de gouvernance mondiale, la base de données. Donc, je pense que au-delà de ce qu'on se lance aujourd'hui n'importe comment, sur tout ce que nous publions dans les pages Facebook, dans les statuts, dans n'importe quoi, mais c'est après de savoir que est-ce que ce que nous avons publié reste confidentiel et que est-ce que ce n'est pas sorti? Est-ce que la position que nous avons donnée de notre entreprise, est-ce que les gens qui viennent chez nous et qu'on a publié, vous voyez un peu tout cet ensemble de choses-là. Si après c'est encadré, on se dit quand même que ça va aller vraiment très, 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 très positif. Donc pour le Je sais moment, vous pas. vous en réjouissez. Oui, pour le moment, on s'en réjouit. Et puis, c'est vrai, après, toutes les informations sont en l'air, on ne comprend pas ce qui arrive. Vous n'avez qu'à suivre mon regard sur tout le Cameroun, où il y a des informations, vous êtes assis, vous avez déjà une information. Parfois, c'est bien parce que c'est peut-être une information que nous voulons, mais après, c'est mauvais parce que si c'est mon information qui est sortie comme ça, après, c'est pas bien. Mais donc, vous essayez un peu de voir. Alors, quelle utilisation faites-vous de WhatsApp? Des utilisations de WhatsApp. Dans le cadre de votre entreprise, bien sûr. Dans le cadre de l'entreprise, nous avons notre téléphone de bureau qui est un téléphone Android. Nous avons un groupe WhatsApp qui est naturellement lié à notre page Facebook, qui fait que lorsque vous voulez contacter l'entreprise, peut-être vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui laisser un message peut-être par Messenger, ou alors vous pouvez laisser par le numéro WhatsApp du bureau, et tout de suite nous avons votre contact et le service commercial va s'occuper de vous, d'apporter des réponses aux solutions. Et puis lorsque on vous a donc déjà aussi repéré, parce que c'est ça l'important aussi avec WhatsApp, chaque fois que quelqu'un va envoyer un message, c'est son numéro de téléphone qui reste, c'est un ensemble, c'est une base de données que nous utilisons aussi à notre tour pour faire de la communication par message, vous voyez un peu, message instantané, pour communiquer sur nos produits, sur nos offres, sur nos publicités, en fait, sur les L'ensemble de vos activités, activités. l'ensemble de nos activités au sein du coworking. Et Facebook. Et Facebook, ça reste pareil. Ça reste pareil, mais il faut dire que Facebook aujourd'hui,
Comme c'est ce qui est un peu plus ancré dans la culture, qui nous donne la possibilité de partager facilement les visuels, qui nous donne les visuels, les images, les photos, on ensemble, c'est facilement utilisable. Et Facebook, vraiment, on ne peut que se réjouir de la présence de l'existence de Facebook. Malgré le fait, comme je disais ici aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas où vont les données justement. Quelle utilisation faites-vous de Facebook dans le cadre de vos activités? Dans le cadre de nos activités, c'est de, comme je disais, c'est des publications pour des photos, c'est des publications, les vidéos, c'est les échanges via Messenger ou alors via la page Facebook, je dirais, les gens posent les questions instantanément. Et puis les questions, on apporte des réponses progressivement. Nous avons Facebook donne la possibilité d'avoir un numéro de téléphone, vous laissez aussi votre adresse mail, qui fait qu'on peut vous contacter quand bien vous n'êtes pas là. On peut entrer directement dans votre numéro de téléphone de bureau. Et Il peut discuter avec vous vous. discuter avec vous, faire un mail et puis vous venez trouver. Donc il prend votre adresse mail et vous le faites. C'est ce que nous-mêmes nous faisons. Lorsque nous fouillons un peu la clientèle, on fait les cibles, on entre dans les Facebook, on choisit les adresses mail et le numéro de téléphone. Et vous Ça contactez permet la de faire le personne. mailing ou de contacter. D'accord. Et quelle utilisation faites-vous de LinkedIn? LinkedIn, c'est qui reste quand même un élément assez professionnel. C'est des publications vraiment un peu centrées sur un peu plus. Là-bas, c'est un peu plus sérieux parce qu'il faut le dire. Moi-même, c'est des publications me concernant d'abord. C'est reste ce qui est un peu plus professionnel. Et sur LinkedIn, ça fait que ce que nous publions sur notre page Facebook, on le publie avec beaucoup de réserve quand même sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Et pour vos transactions financières, vous êtes plutôt e-bank ou mobile money? À ce jour, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. E-bank, pas trop e-bank. C'est vrai qu'après, nous aimons encore un peu plus le cash. Mais aujourd'hui, avec nous aimons un peu plus le cash d'abord, il faut le dire. Mais maintenant, nous acceptons aussi, parce que progressivement, ça entre. Et nous avons donc des problèmes comme l'ajout Des taxes. des taxes. Ça veut dire que des frais de transfert, par exemple, mon espace, il coûte 70 000, 80 000, 150 000, 200 000. Quand j'attends 200 000, vous m'envoyez 200 000 par mobile money, par exemple. Vous envoyez 200 000. Après, quand je dois retirer les 200 000, ce n'est plus 200 000 que Donc, j'ai vous n'êtes ni retiré. l'un ni l'autre. Donc, vous Vous voyez préférez le cash. que c'est pour ça que nous préférons le cash. Parce que même au D'accord. client, lorsque vous allez demander d'ajouter, disons, 200, 3 000, le client commence aussi à. Bon, maintenant, après, s'il a envoyé 200 000, vous n'avez pas le choix, vous allez retirer les 200 000. D'accord. Et quelles précautions prenez-vous pour la protection des données de votre entreprise? C'est pour le moment, c'est une question qui commence à être au centre au regard de l'affluence que nous avons. Je me rappelle encore que nous avons eu une séance de travail avec les étudiants excusez-moi, du Collège de Paris, informatique du Collège de Paris, qui ont posé justement ces questions de sauvegarde, de préservation d'éléments. Et donc, je pense que c'est, pas que je pense, ce que je sais, c'est que nous sommes aussi en train de présenter, je crois qu'à travers cette émission, c'est que nous ayons des structures qui ont donc cette capacité de nous apporter ce conseil dans le cadre de la protection de nos. Vous parliez De vos données. de nos données, voilà comment les préserver. Et parce qu'après, nous qui travaillons, moi je ne suis pas ingénieur informaticien, donc vous voyez que j'ai mon ordinateur, j'ai mon secrétariat qui, elle aussi, pareil, le comptable et tout le monde. Mais là, nous avons beaucoup de personnes qui entrent, qui utilisent Internet, m'a-t-on dit.
Lorsque vous êtes branché à un même Internet, ça donne la possibilité à celui qui utilise cet Internet peut-être d'entrer dans votre système et un ensemble de choses. Donc, nous pensons qu'il y a des experts qui vont nous accompagner. Puisque nous sommes une jeune entreprise, c'est une jeune activité. Pour le moment, vous ne prenez pas vraiment de précautions. Pour le moment, mais c'est en vue. Jusque-là, nous, on savait qu'on prenait des précautions parce que... Jusqu'à ce qu'on soit informé de ce que lorsque vous utilisez le même réseau avec les clients, ils peuvent entrer dans vos... Et avoir accès à vos informations. Et avoir accès. Donc après, on a lancé quand même, nous sommes en train de lancer là, dans les jours à venir, un appel pour qu'on ait un conseiller dans ce sens. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Wolfgang et Inga, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Profil Business. Merci beaucoup. Je dis merci au projet, parce que Economa, c'est tout un projet. Je dis merci, qui nous donne la possibilité ici de nous exprimer et de nous exprimer sur nos activités, de montrer à l'environnement ce que l'environnement peut bénéficier des activités que nous offrons. Et ici, qui essaye d'éduquer, n'est-ce pas, la population camerounaise sur des questions liées à la digitalisation. Nous espérons que le chemin dans lequel Economa s'est lancé, tous les Camerounais vont comprendre toute la richesse qui se cache derrière ce projet, toute la richesse qui se cache derrière cette équipe qui a pu penser cette activité qui est presque un réseau social africain, j'ai envie de dire, les 10 Camerounais. Et donc, c'est vraiment nous qui remercions pour l'ingéniosité que vous avez eue en mettant en place Economa. Merci. Merci bien.